ça avance pas du tout, donc maintenant je teufte sur mes pauses du midi aussi. Pour le flow du fil, j'ai fini par trouver une solution. Donc en fait, que ça parte d'une bobine ou d'un cône, c'est exactement la même chose. Le plus important, c'est que ça se déroule vers le haut. Donc je les passe dans les clous du cadre. Et le tout après redescend dans mon tufting gun. J'ai enfin terminé les pelotes de merde que j'avais fait. Maintenant, je passe à la couleur blanche qui va couvrir juste cette partie du tapis que je vais faire ce soir. Et cette fois, on fait ça correctement. J'ai beau essayer de bien faire, j'ai encore un nouveau problème. C'est-à-dire que mon système qui déroule le fil marche vachement bien. Le souci, c'est que à partir des deux anneaux qu'il y a là-haut, le fil s'en mêle complètement. Il s'enroule, il s'enroule, il s'enroule, il s'enroule. Et donc à la fin, ça se coince dans ma machine. Voilà la progression, ça suffira pour ce soir. On a fait toute la grande partie blanche, qui est juste ici. Soit beaucoup plus que ce qu'on a pu faire auparavant. Jusqu'à présent, on est plutôt régulier. Ça pourrait être mieux. Il y aura pas mal de finitions à faire. Mais dans l'ensemble, ça va. Bref, à demain pour encore la suite de cette saloperie de tapis.